pense que ça va aller en France. Oula, je suis un ouf, moi. Les projets vont se réaliser un jour. Mais là, t'as combien là? Oh la tête, là je suis en train de faire mon joueur là, ma tête. Est-ce qu'il me ressemble? Déjà la beubar, on va la faire déjà. J'ai une beubar comment moi? Non, elle est plus comme ça ma beubar. Mais trop moche dans le jeu. Non, je crois on va créer un nouveau perso. Pas forcément que je mette moi. Ouais, je mets une barbe comme ça. Vous avez combien tous? Moi, je sais. Attends, je crois que j'ai. Je crois que j'ai 400K. Attendez, je réponds à un message vite fait. Hop. 1,8K. Le coach, on va le faire avec un bon crâne. Un bon crâne chauve qui brille. Une grosse barbe. Une grosse barbe de tonton. Imagine, c'est ton coach, ça. Fais flipper. Ça se voit, il gueule sur ses joueurs, lui. Ça se voit, il les gifle. Barbe de Caris. Si j'arrive pas aux 50, aux 50K avant 2022, je m'appelle pas Joshua. La tenue, très important. Une tenue classe pour les rendez-vous. Pour les rendez-vous avec tous les joueurs que je vais avoir là. Ici, pas besoin de RP hein, dans ce mode, hein, bizarre. Bizarre, bizarre. Ils mettent tout dans Career Manager, rien dans le devient pro. C'est vraiment dommage. Décontracté ou chemise ouverte? Non, chemise tendue. Je sens qu'il y aura des bonnes défaites cette saison-là. On sera très tendu cette saison-là. Cravate noire! Ouais, cravate noire. Hein. Oh, c'est bon, les gars, enfin, on se lance dans la création du nouveau club. La création des nouveaux clubs! Est-ce que je me balade en costard basket ou pas? Non, on va rester pro. Il a dit ok le flow. T'as vu le flow? Ah mec! Allez, créer un club! Let's go, let's go! Le Unity FC. Le début du projet. Surnom les Black Cats. Y a quoi d'autre là? Qui sera le premier à 1 million? Je mise sur Nisco ou DG. C'est sûr que ce sera moi les gars. Attendez, j'ai pas vu, j'avais combien de points de chaîne là? C'est sûr que ce sera WAM. J'ai 404 000. Les Rovers, Sporting, United. Ouais, on va nous appeler les Black Cats, hein. Abréviation UFC. C'est carré.
Continuer. Ok. Mais en fait, c'est dommage qu'en France, il n'y a que jusqu'à la Ligue 2. C'est vraiment dommage. J'ai 530... 533 000 tas. BG, hein. Il a déjà atteint le demi-million. Putain, mais en vrai, Angleterre, je sais que ça va me saouler après, au bout de 3-4 saisons, de pas avoir deux joueurs français créés au centre de formation, tout ça, etc. Non, on va commencer en France, les gars. On va commencer en France, en Ligue 2. On va enlever un vieux club. On va enlever quel vieux club là? Rodez? Nancy? Putain, Nancy, ils sont devenus éclatés, c'est chaud. Niort. À tout moment, je vous dépasse jamais, Joshua. Déjà, essaie de pas être banni jusqu'à 2022 déjà. Parce que là, si on te fait refaire faire un compte, t'as perdu. Hein. Ok, le maillot. Le maillot, les gars. Avec quel maillot on va débuter notre carrière? Tiens, tiens, tiens. Niort. Ouais, on a enlevé Niort, c'est bien. C'est pas non plus le club de l'année, quoi. Je sais même pas c'est où Niort, les gars, dans la France. C'est où? Putain, je sais pas comment on va commencer la carrière. Hein. Le premier maillot de l'histoire, les gars, ce sera lequel? Et j'espère qu'on peut changer des maillots chaque année, hein. C'est grave stylé ça, si on peut. Après, bon, si pour nous, si chaque année on est dernier, je sais pas. Et les gars, est-ce que si j'enchaîne 20 défaites de suite, est-ce qu'ils me virent? C'est ça le truc aussi. Ou est-ce que quand tu crées un club, bah t'es président et tu peux pas être viré? Parce que là. Je commence avec des vieux joueurs, hein. Bélec. Bélec, je me fais. Bélec, la carrière ne dure pas longtemps. Voilà, on va commencer avec ça. Un maillot éclair. Ils vont te virer si tu fais 20 défaites de suite. Bah après, tu vas où après? Après, tu te trouves un club qui existe vraiment? Alors que c'est moi le fondateur. Non, je pense que quand t'es fondateur, ils te virent pas. Hein. Enfin, j'espère. Comment j'enlève le rouge là? Ok, c'est ça. Le premier maillot du Unity FC, les gars. Bleu marine, on dirait. Y a pas, ok. Fin de carrière, t'imagines? Alors que t'es le créateur. Bizarre. Alors, la couleur des numéros de maillot. En or. Or massif. En vrai, il a du flow le maillot. Le maillot domicile, il a grave du flow. Même celui-là, là, maillot militaire, vous avez vu? Oh là 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 là. Et moi, si je suis designer de maillot. Hein. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres maillots qui pourraient correspondre. Non, un vrai maillot extérieur, je mettrais gris. Là, domicile, on juste comme ça. Si t'es fondateur, non, ils te virent pas. Mais si t'es entraîneur. En fait, toi, tu parles, Joshua, mais t'as jamais fait de carrière manager solo. Ça qui me dérange avec toi, Joshua. C'est que t'es un monteur. C'est même pas de quoi tu parles, Joshua. Est-ce que t'as déjà fait l'expérience déjà de faire carrière manager dans FIFA 22 et de perdre 20 matchs de suite pour venir me dire ça? Fais le maillot de Newcastle. Mais oui, bien sûr. Joshua, les gars, c'est un monteur, hein. C'est un ouf, Joshua. Faut doser, Joshua. Toujours dans le dosage, on t'a dit.
MDR, c'est vrai. Ok. Jamais j'ai créé un club, je fais avec mes sources. Et c'est quoi tes sources? Tu m'as dit quoi? Et je sens qu'on passe du temps dans les maillots, tout ça, nan, tout ça pour perdre. Tout ça pour perdre. Ça va me déranger, ça. En vrai, celui-là, il est bien, hein. On va commencer. Ah non, mais non, on travaille déjà chez Nike. Faut que le maillot extérieur soit Nike. Ok, on va prendre ça, les gars. Je le sens bien, ce maillot. Quoi? Ils ont enlevé mon maillot de missile? Mais c'est des malades. J'avais déjà un maillot de missile, ils l'ont enlevé. Voilà, les bugs, ça commence. Ah non, j'ai rien dit. Écusson! Putain, si je pouvais importer le logo Unity, ça serait incroyable. De là, on dirait un petit logo Unity. Quand tu regardes vraiment en vif. Et le stade. Ah, apparemment, le stade, c'est stylé. Genre, plus tu gagnes de l'argent et plus tu peux. Enfin. T'as capté? Améliorer ton stade, tout ça, etc. Genre, tu peux importer. Non, j'ai dit dommage qu'on ne peut pas importer. Tu lis que les messages de Joshua et. Et Skosket. Désolé, mon ref, si j'ai pas vu tes messages. Les modérateurs sont grave trop sévères. C'est ça que tu voulais que je lise? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Poucave, allez, Poucave, t'inquiète. Dis-moi tout, mon gars. On va commencer avec un stade de 9000 personnes. Je pense que c'est plus réaliste, hein. On va l'appeler le stade de la le stade de la quoi? Le stade de la manchette. Le stade de Poutine. Le Poutine Stadium. Le vas-y, Unity Stadium, hein, qu'est-ce qu'on se casse la tête? Il supprime tous les messages. Putain! C'est quoi ces modos? Quel scandale! C'est pas nous, c'est Twitch. Ah. Le Unity Stade. Oui, monsieur. Ensuite, les tribunes. Couleur des sièges. Après, je vais décaler ma tête, vous inquiétez pas. Les couleurs du siège. Vas-y, on va mettre noir. Hein. Ok, le terrain il est comment? Comment on veut se prendre les buts là? Non franchement, hey, on va subir. Hein. On va faire une carrière où vraiment on va se faire manger dès le début. Oh, je vais faire des passes à 10, je vais faire le bus carrément. Je vais être le niveau le plus difficile avec l'équipe la plus éclatée. C'est une expérience sociale, faut que je teste. Bon, par défaut, je crois. Petit carreau ou grand carreau? Ouais, petit carreau. Couleur des lignes, on va laisser blanc. Vert foncé. Il a dit ouais, un club français défense à 12. Ok, oui. La pelouse, c'est bon. Les filets, on met quoi en filet? Ouais, filet bleu, on s'en fout. Et c'est parti, les gars, on a le stade. Ah non, on n'a pas encore l'ambiance. Ce sera quoi l'ambiance des ultras là? Eh, de toute façon, ah ouais, on va se télécharger un son là. Un son spécial ultra de Unity, faut que je trouve. Faut que je trouve un chant qui dit Unity, tout tout tout. Ah mais du coup, ouais, ça c'est des musiques connues, on peut pas. Ouais, on peut pas. Musique d'entrée aussi, je peux pas. À cause des streams. Mais sinon, ouais, on va se trouver ça là. Un bon chant de supporter là. Ça va très bien se passer. Paris Games Week, ok oui. Les gars, prochaine Paris Games Week, venez. On va se donner rendez-vous dans un stand. On va tous chanter en chœur.
Attends, t'as fait combien en fut? J'ai pas vu. J'ai fait 10. 10 victoires, 10 défaites. Regardez les gars, c'est là qu'on choisit si on a une mauvaise équipe ou pas. Attendez, je bouge ma tête là, puisque je crois que vous voyez pas tout. Attendez. Voilà, on revient là-haut. On revient là où on était à la base. Ok, donc là, le club qu'on a viré, ils avaient 2 étoiles. Là, si je fais 1,5 étoile, je suis le club le plus éclaté de Ligue 2. Mais est-ce qu'on est chaud, on fait 0,5 étoiles? C'est la question que je me pose. Est-ce que vraiment on part vraiment de zéro? On fait une équipe à 0, à 0, 1, à, oh là là, à 0,5 étoiles. Est-ce que vous êtes chaud, on fait ça? Il a dit oui, il faut être réaliste. Justement, c'est pas réaliste. Mais bon, on va le faire. Vétéran ou équipe de jeunes? Ouais, très jeune, hein. On va commencer avec une équipe de jeunes. Budget. 1 milliard de budget, tu peux commencer? Non, non, on va commencer avec 1 million de budget. Attendre du comité de. C'est quoi le CA déjà? Comité d'administration? Aucune idée. Mais en gros, ouais, faut devenir un géant du football, hein. On commence avec 1 million avec 0,5 étoiles, les gars. On va se faire fumer. On va se faire fumer. Niveau ultime! 5 minutes, ça va. Négociation. Sévère. Souple, ouais, on va laisser souple, ça y est. Offre les enfants, ouais. Tac et tac. Ok. Il a dit, tu vas pas aller loin. Mais vous êtes sûr, les gars, que. Imagine, je perds tous les matchs, je me fais virer, et puis c'est bon, c'est fini. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de commencer pour me faire virer, ça serait con quand même. Ça serait vraiment con. Sauvegarde. Mesdames et messieurs, je vous demande à présent Oh! d'accueillir votre nouvel entraîneur. Vous avez vu? Voilà pourquoi je vous dis comment c'est trop bien fait carrière manager. Ça parle français, nouvel entraîneur, tag, présentation. Tu vois? Alors que devient pro, ils s'en battent les couilles. C'est ça que je reproche à FIFA. Moi, faut que je travaille dans FIFA, moi. Attendez 2 secondes. Ok. Bon, on me propose des compétitions d'été. Regardez les récompenses potentielles hein, qu'on peut gagner. Hein. On peut doubler la cagnotte. Contre qui on va jouer? Contre des clubs pétés en vrai, faut. Pour commencer. Il a dit enfin du bon travail. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. On tient déjà la miniature. Attendez, je lève ma tête. On tient déjà la miniature de l'épisode 1. Messi au PSG. Quelle surprise! Ouais, je parlais un peu de moi, non? Ok. L'avenir s'annonce radieux avec TV. Nouvel entraîneur, Junior TV a pris les commandes du club. Oh là là, c'est beau. Le RP déjà installé, les refs. Par contre, remettez ma tête, wesh. Ok. Comment je fais pour avoir ça en gros? Ah, ok. Voilà, la miniature, mesdames et messieurs. Merci, on peut revenir au direct. Alors, on va commencer par redécouvrir ensemble le mode carrière, puisque voilà, je pratiquement jamais à ça. Développement. Comment va se passer le développement dans le club? Il y a des petits de 17 ans ici, là. Je parie, il n'y a aucun joueur à 4 étoiles de geste technique. Ah si! Et à lui, 4 étoiles de geste technique. Ok. Ah merde, vous voyez pas. Attendez. Ça va être galère ça à chaque fois de décaler déjà ça. Attendez, ça j'enlève. Faut que je fasse des overlays là. Faut que j'en fasse des nouveaux. Attendez, bougez pas. Hein.
Ah voilà, ça qui cassait les couilles. Bon. Ah ouais, il y a plein d'options, hein. Tu peux carrément choisir le plan de développement pour ton joueur, carrément. Une prédit, les gars? Non, pas encore. On n'a pas encore joué. T'es trop pressé, mon ref. Tu peux choisir en fait sur quoi il doit s'améliorer, tout ça. Incroyable. Très précis. On adore. C'était un truc que je voulais voir. Ok, programme hebdomadaire, c'est quoi ça? Ah, tu peux faire... Oh, calendrier d'entraînement, tout ça. Mais ouais, c'est incroyable, les gars. Va faire chercher des recruteurs et essayer de chercher des pépites. Avec 1 million de budget. Je pense que chaque chose en son temps, mon ref. Hein. Fixer un entraînement, oui. Un entraînement ici. Un entraînement. Non, pas après là. Ici, récupération, récupération, match. Ah, ok. Incroyable, ouais, c'est toi qui fais le programme, tout ça, ok. Ensuite, accueil d'équipe. Ah, c'était ça tout à l'heure, ok. J'ai rien dit. Composition d'équipe. Ah, c'est moi, carrément, je peux modifier les joueurs, leurs crampons, tout ça, etc. Mais là, finalement, tu vas rien acheter avec. Ouais, c'est ça. Je vais rien acheter, je vais juste payer les salaires, en fait. C'est à moi de faire des bonnes stats. En fait, ça va être à moi de créer la surprise en Coupe de France, tu vois. Aller loin en Coupe de France. Tomber quitte à. Vas-y, un. Tomber face à un PSG, sortir et avoir des sous, frère. Est-ce que tu peux choisir le prix des places? Oh, ça serait incroyable. Fais gaffe pour l'énergie, c'est chaud. Ouais, si, si, je sais, je sais. On avait testé l'année passée avec Blackburn, on a fait, vas-y, 5 matchs, après on a abandonné. Mais c'est vrai que c'était chaud l'énergie. Hein. Non, moi je vais pas jouer comme ça déjà. Avec 3 défenseurs, les gars, direct. On bloque. On bloque devant les cages direct ou pas? Putain, voilà. Déjà, je vais jouer avec un attaquant, ça c'est sûr. Il me faut un seul attaquant. Non, bah je commence, hein. On a peur de qui là? Milieu droit, milieu gauche. Bus dès le début, t'imagines? Ah, mais lui, c'est un MDC, il sera pas à l'aise, lui aussi. Je vais faire une tactique avec. Voilà, avec 2 MDC, voilà! Je sens qu'on va souffrir dans cette carrière, ça va être bien drôle. MDC, MDC, ok, ils sont à leur poste, ils sont contents. Lui, c'est un BU. On va le mettre là. J'ai pas un défenseur droit? Mais non. J'ai pas de défenseur droit. Déjà, ça commence. J'ai pas de défenseur droit, faut que j'en achète un. Et j'ai pas de défenseur gauche aussi. Ah ouais, ah si, j'ai lui. Ok. Il me faut un défenseur droit, un défenseur gauche parce que celui que j'ai il est éclaté, il a 52 de général. Je crois que ça va être bien drôle cette carrière là. Attends, j'ai pas vu les tireurs de coup franc. Oh, en tireur de coup franc, ça doit être pas drôle. Ah ouais, faut que je bouge ma cam. Vas-y, tu sais quoi, je la remets là-haut. Jusqu'au bout maintenant. Équilibré. Pressing après la perte de balle, ouais, ils vont se fatiguer. Hein. C'est bon, on joue en équilibré. On va jouer comme sur fut. Ah, quoique, profondeur là. On se calme un peu. Possession. C'est le début, les gars, d'une très grande équipe, sachez-le. Une équipe qui va casser des culs. En France et en Europe.
ou pas. Vous imaginez le meilleur tireur, il a 47? Joue en 4, 2, 3, 1. Non, en fait, là, j'ai mis une formation avec laquelle je suis à l'aise. Hein. T'inquiète, il y a plein de formations avec lesquelles je suis pas à l'aise. Là, je pense que ça va, là. Enfin, ça peut aller. On me propose déjà des joueurs. Ah, mais j'ai des recruteurs déjà. Ça, c'est les jeunes cracks de Ligue 2. Non, mais après, faut engager des recruteurs. Oh, les prix! Déjà, lui, 19 000. C'est dans mes prix, ça. 19 000 en francs. Il a dit le Sama United plus fort que ton équipe. C'est grave possible. Tu sais que c'est bah, c'est vrai, hein. C'est que c'est vrai de ouf, hein. Non, au bout de 10 défaites, tu sautes et c'est fini. T'imagines? Imagine 10 défaites, je suis viré, fin de carrière. Ça serait triste. Je vais voir ça après là. Ah, hey, les gars, on bénéficie, on a déjà perdu 57 000. Pourquoi? Il est passé où cet argent là? Ah, ok, les recruteurs, ok, j'ai rien dit. Ça va vite, hein. Modifier le manager, personnaliser le stade. Staff, centre de formation. Oh, j'ai déjà un centre de formation! Oh là là, le centre de formation. Il y a un Argentin, les gars. 4 étoiles de geste technique. Défenseur gauche. Potentiel 80, de 80 à 94 de gêne. Oui, monsieur! Promouvoir dans l'équipe. Allez, viens. Tu passes pro. Il passe déjà pro. 53 de gêne. Lui, c'est sûr, il sortira pas de centre de formation. Lui, c'est bon. Lui, on valide. 4 étoiles de geste technique en plus, c'est un défenseur central. On valide. Allez. Bah après, à 15 ans, je sais pas si c'est légal de jouer. Il est pas passé pro. Il a 15 ans. Ouais. C'est ce que je me dis aussi là. Attends. C'est lui? Non, c'est pas lui. Attends. C'est où qu'on voit les âges? Ah non, c'est pas lui. Lui, c'est le mec qu'on a signé. Mais l'autre qui passe, qui a 15 ans là, il est où? Ouais, il peut pas. Hein. Faut avoir 16 ans, les gars, wesh, doucement. Par contre, lui, 17 ans titulaire. Carré. Non, 15 ans, il vient pas. Mais il est où, du coup? Parce que là, je l'ai, j'ai appuyé sur le faire signer. Ou est-ce qu'il est resté? J'ai pas vu. Ah, il va me chercher des cracks français, lui. Pendant 9 mois, il va me chercher des mecs qui sont bons techniquement. Non, physiquement. Allez. Va me chercher des gaillards là. Des grands gaillards. Ah, ok, il est resté là. Je dois attendre qu'il ait 16 ans, quoi. Regarde s'il y a des joueurs libres. J'avoue, Abdoul. Les bons conseils de Abdoul. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Attendez. Ok. C'est bien, on a un centre de formation, tout ça. Je crois qu'on va s'amuser dans cette carrière, les gars. Ou pas. Peut-être qu'au bout de 10 matchs, je vais me faire virer. J'avoue, les joueurs libres gratuits, là. Oh là là, Abdoul. Abdoul, c'est un crack. Et comment tu recherches ça? C'est où? Là, je vais dans chercher joueur. Statut libre. Agent libre. Pas non plus un mec de 50 ans, mais t'as capté, tu vois. On va baisser un peu. Non, vas-y, on sait jamais. Tu sais quoi, on sait jamais. On va voir ce qu'il y a. Agent libre. On va pas commencer à faire les sélectifs, hein. Clairement, on est en chien. Recherche. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont pas de club? Oui! Ah bah non, s'ils ont des clubs. Ok. J'ai mal sélectionné peut-être. Tac. Rechercher. Ok. Ça, c'est les mecs qui sont libres. Vous connaissez pas des mecs libres qui sont forts? Avant même de les observer?
16 ans, pas de club, c'est un chypriote. M'a pas l'air intéressant celui-là. Regarde les prix. T'es pauvre. Ouais, non, mais ils sont libres, justement, ils sont gratuits. C'est juste les salaires qu'il faudra payer, quoi. Mais est-ce que déjà il y en a un qui sera intéressé par venir dans mon club? La question que je me pose. Bienvenue les nouveaux qui s'abonnent, vous êtes des bons. Oh lui il a l'air bon lui. Oh il a l'air bon celui-là. Demandez de l'observer. Ouais, on va quand même l'observer, on sait jamais. Ça se trouve c'est un flop. Il n'y a rien en vrai, attends, il me faut un goal aussi là. Demandez à observer. Parce que mon goal là, je crois, il a 53 de général, frère. Je vais prendre des buts. Fiola Varga. Ah, tu les connais? Attends. Lui là, Fiola? Ah ouais, j'avoue, il a des capacités qui sort au-dessus du lot là. Il est où Varga là? Varga, j'ai déjà observé. C'est bon. Bien vu mon gars Dani. C'est vous le staff. C'est vous les mecs du staff. Et vous pensez que je peux avoir des jeunes du PSG en prêt ou pas? Si je demande un petit Xavi Simons ou quoi, est-ce qu'il me prête? Pour ça, j'attends que mon recruteur il vienne là. Qui fasse un peu le ménage et qui me sorte des nouveaux trucs là. Je vais faire un entraînement juste pour tester hein. Premier entraînement du Unity FC les refs. Oh, je sens que ça va être la cata. Oh la conduite de balle frère. Wesh. C'est même pas précis. Putain. Vivement que j'ai des bons joueurs là. Oh la conduite, elle va être compliquée là. Il y aura zéro dribble dans le match. Ce sera une boucherie. Oh putain, j'arrive même pas à les contrôler. Une conduite hasardeuse. Ah ouais, frère, frère, stop-toi! Ok. Sachez les gars qu'on va jouer en mode ultime, hein. On va se prendre des scores, frère. Des vrais boulangers. Là, par contre, là, c'est des boulangers, là. Je suis sûr qu'ils ont tous deux jobs en même temps. C'est pas possible. Tu laves à quelle heure sur YouTube? À 20h, hein, comme d'hab. Bon, on va tout simuler, hein. Ok, est-ce que j'ai fini de visiter le jeu ou pas? Ah, carrément, je peux parler avec mes joueurs, j'avais oublié ce détail. Vous avez vu le RP? Le RP, il est déjà installé. Le mec, il m'a dit, bienvenue, coach, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. Ben, c'est putain à moi de vous dire bienvenue, en fait. Je vais dire quoi? Je vais dire, j'ai hâte, il y a du boulot. Tout le plaisir est pour moi. Je vais dire, il y a du boulot. Moi, je parle français, moi. Il y a du boulot ici, vous êtes tous des merdes. Ensuite, j'en rêvais. Merci de m'avoir donné une chance de jouer en équipe senior. Ah, c'est le mec que j'ai ramené chez les pros là. Ok. Tu as été impressionnant. Non, à pas mentir. Je sais que tu peux faire mieux. Tu n'as déçu personne. Non, je veux dire, t'as été impressionnant. Oh là là, quel coach! Quel coach! Xavi, tu peux junior. Comment ça? Xavi, tu peux junior? Ah, Xavi Simons, en prêt? Tu penses qu'il accepte? Déjà, il a combien de général, Xavi Simons? Moi, il me faut vraiment un MDC qui a 60. Tu vois, parce que là, Aubert, frère. Le mec s'appelle Aubert, ça se voit, il est nul. Vasseur à gauche, là, éclaté. Rockez, je sais pas quoi, éclaté aussi. Putain, il y a du boulot ici, hein. Tu n'es pas obligé de jouer les matchs.
Tu peux les simuler. Non, moi je vais tous les jouer, moi. Moi, les gars, franchement, dans ce mode de jeu, ne me parlez pas de simulation. On va tout jouer, on va vivre le club à 100%. Après, les entraînements, ouais, on va tous les faire, les entraînements. Mais on va tout jouer. Je veux rien savoir. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Il a 65 de gêne. Ah, mais j'avoue, il peut accepter, hein. Vas-y, on va le convoquer au bureau. Je kiffe les cinématiques de bureau avec les agents, tout ça, tu parles avec eux. C'est incroyable. Merde. Je suis pas habitué au mode de jeu là. Pour un transfert, c'est bon, c'est fait. Ensuite, faut aller où déjà? Accueil pour un transfert là? Je sais plus c'est où. Ah, c'est ça. Accueil transfert, approcher pour un prêt. Ils ont dit quoi? La durée du prêt est trop courte. Ah, ok. Ben, un transfert, hein. Putain, imaginez, ils acceptent. Regardez les gars, hein, comment le jeu il est poussé. Hein. Incroyable. Incroyable. Après, il faut pas ça pour devenir un pro saison. C'est voilà, ces gens. Ok. T'as pas les sous. Ah, j'avoue, j'ai oublié ça, je suis pauvre. Putain, merde, je suis pauvre, j'ai zappé. Proposer un transfert. Bon. Voilà, Pochettino, mon ref. On a grandi ensemble, toi et moi, non? Vas-y, 250 000. Non, là, il va m'insulter, là. Je vais dire... vas-y, 400... Vas-y, frère, ça y est, 500 000. Et je donne carrément la moitié du club. Voilà, on propose 500 000. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? J'ai perdu mon temps en venant ici. Nous n'acceptons pas une offre aussi dérisoire pour Simmons. Il est clair que nous ne parviendrons pas à un accord. Ok, mon ref. Nique ta mère alors, cousin. Frère, ça y est, frère. Ils sont milliardaires, frère. Putain, c'est un bâtard, lui. Et les deux fait, Simmons, ça. Hein. Il est grave bien fait. Oh, je suis choqué comment il est bien fait. Je savais pas qu'il avait sa vraie tête ici. Oh les crevards, je suis choqué frère, c'est ça? Fais les autres petites Ligue 1. Vas-y là. Attends, tu sais quoi? En fait, je pense que je vais demander à mon recruteur de me sortir une liste des joueurs en prêt. J'ai pas envie de me casser la tête à prendre des râteaux. Comment ça, moins 200K? On l'a dépensé dans quoi? Quoi? J'ai vraiment dépensé tout cet argent là? J'ai essayé et il vaut 8 millions! Ah ouais, frère, ça y est. Attendez, expliquez-moi ces dépenses-là, s'il vous plaît, là. À quel moment j'ai dépensé 300K, frère, pour les recruteurs? Mais on est où, là? Vente de. Ah, craint, on a réussi à vendre des maillots! Oh, le jeu, il est incroyable, les gars. 1000 1000 maillots vendus! Incroyable! Ah, c'est la masse salariale, elle est passée aussi. Putain, mais attends, 200K? Ah, c'est les coûts de la mission. Ok, j'envoie le recruteur pendant 9 mois. Putain, 200 000. Il a intérêt à me ramener des cracks avec ça. 200 000 pour observer des joueurs. Putain, ça coûte cher. Hein. Je voulais faire quoi déjà? Ouais. Comment on fait pour envoyer son recruteur? Me chercher des... Je sais plus ce que je voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Prometteur, mais pas que. Déjà, je vais supprimer. Attends. Comment je supprime tout ce qu'il a trouvé? Voilà, supprimer tous les rapports. Je veux rien savoir, rapport de zéro. Et c'est Amad Diallo après. Impossible, mon ref qui passe. Wesh, j'ai 0,5 étoiles. Là, j'en ai comprendre, là.
tous les clubs de Ligue 1 vont me casser les couilles. Tout poste, attribut. C'est où que je mets je recherche des joueurs en prêt. Comment on fait? Comment fait-on? En Ligue 2, tu connais pas des jeunes? Il y en a, mais ouais, moi je veux des joueurs qui vont faire progresser mon club, t'as capté? Les jeunes de Ligue 2, ils ont même pas le niveau pour être titulaires dans leur club de Ligue 2. Milieu accentue de l'équipe. Jean de l'équipe aussi. En défense. En arrière, c'était quoi déjà? Arrière droit? Dani Alves, bien sûr, mon ref. Je choix, tu serais pas un footix, toi? Tu crois vraiment Dani Alves, gros, il va quitter Sao Paulo pour venir dans un club de Ligue 2 0,5 étoiles? Quand même, les gars. Quand même, Joshua, je te croyais vraiment. Un mec qui connaît le mode carrière comme toi. On peut essayer, mais il va m'insulter. Il va demander un gros salaire qui va ruiner mon club. Pourquoi pas CR7? En plus, il est vieux, ouais, de ouf. C'est quoi, ils m'ont saoulé. On va commencer comme ça. Hein. On va commencer comme ça, les refs. Bon, ceux qui croient en moi, ils misent pour moi. Ceux qui croient pas, ils misent pas. Moi, les gars, il y a une mise super simple. Quelle mise on va mettre sur ce match-là contre Bastia? Ouais, victoire. Victoire ou autre? Vous avez 2 minutes pour miser vos points de chaîne. Attendez. Ok, je sais pas pourquoi il y avait ça. 20K sur défaite. Non, sur autre, hein. Attends, j'ai mis autre ou défaite? Quelle vie. J'ai quitté le live sans faire exprès. Ah, c'est bon. Ah, moi, je vous mens pas, les gars. Même moi, j'y crois pas, là. J'ai misé 1K sur victoire. Même pas, 100. 1K sur victoire. Je sais pas à quoi m'attendre, les refs. On verra bien. L'enjeu est énorme pour l'entraîneur qui fait ses débuts. On vous donne rendez-vous dans quelques... Oh là là, le coach, mesdames et messieurs, le coach! Il est là! Il est là, le coach! Premier match à domicile, les refs. Dans ce nouveau stade, le Unity Stadium. Salut à toutes et tous, merci d'être Comment ça se fait, on a déjà autant de supporters. Ah non, mais c'est même pas chez nous. Je crois que c'est un terrain neutre. Ah si, c'est Unity Stadium, il y a marqué. Les gars, c'est parti. Ok. Ok, Reino. Mio. Lui, c'est le nouveau de 17 ans, là. Ok. Il hors jeu. Ok, les gars. Ok. Alright. Ça joue bien déjà. Mon club a l'air déterminé. Je sais pas si j'ai laissé les mains. Eh, il est grand le tonton, hein. Le capitaine Thomas là. Le capitaine Thomas, il est grand. Qui vont essayer de créer le surnombre. Il lui rend première intention. Ok. Bon, bien négocié par le Je dis gardien. 2-1. 2-1 pour moi? Vas-y, on espère, hein. Il a dit première défaite. Je dis 2-1. En Il y a un mec qui l'a prédit 2-1. récupère cette passe. Je sais pas ce qui te fait dire ça, mais en tout cas, on commence bien là. Mais je crois que la prédit va compter pour le deuxième match. Parce que là, je crois que ce match-là, j'ai oublié de mettre le mode compétiteur. Les gens ils ont dû miser en pensant que c'était le mode compétiteur quoi. Attention, ça Enfin, je sais pas si je l'ai mis hein. En fait, regardez, on va faire ce match.
Et à la fin de ce match, je vérifie si j'étais en mode compétiteur. Si j'étais en mode compétiteur, on valide la prédit. C'est l'évier, dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Occasion de prendre l'avantage. C'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça commence. Premier tir, hein. Ça pardonne pas. J'ai misé un K pour toi. Moi aussi, j'ai misé un K pour moi. Malheureusement, pour l'instant. Le premier but encaissé, le premier but marqué dans, ce, dans l'histoire de ce stade. C'est un but encaissé. Allez, les gars. C'est le début de notre histoire. On peut le faire. On peut aligner trois passes, les gars. Ok. Allez, les gars. Imagine, on tombe contre le PSG en Coupe de France. Oh putain. Faudra augmenter le prix des places, hein. Ouais, il a le temps centré. Oh, l'intervention des défenseurs. Ouais, Thomas, voilà. Faut que je trouve des champs de supporters là, bien, bien stylé. J'espère que tu vas marquer au moins un but, j'espère. Anthony Rubic. Je sens que cette saison, ce qui va me saouler, c'est le goal et la défense. Et les passes comme ça là, des vieux milieux de terrain là. Ok. Oh, le mauvais contrôle. J'avoue, eux aussi ils sont claqués, hein. En même temps, club de Ligue 2, hein. Mais allez, Zambol, 17 ans. Il sort du centre de formation. La frappe de Thomas. Faut que je trouve une musique spécialement pour mon équipe. La frappe de Thomas. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Le premier but de l'histoire du club. Il est là. Contrôle. Boulet. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique, quel capitaine, et oui. Le capitaine Thomas. Quel joueur. Je sens que je pourrais compter sur lui là, ce monstre. Ah, il doit faire 2 mètres. Il y en a dans les cuisses celui-là. Voilà, pas de risque, pas de risque. Allez les gars. On laisse pas se réveiller. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Il est parti! Martino! 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 Incroyable! Quelle équipe! Quelle équipe, les refs! C'est pour toi, je choisis ce but. Martino, je crois, c'est le meilleur de l'équipe en 65 de général, je crois. Ça construit devant le but sans se précipiter. Aïe. On poursuit son action. Voilà, monsieur. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. C'est grâce à mes deux entraînements, ça. Voilà, calme le jeu, tu poses, Thomas. Tac. Contrôle, change de côté. Toi, ça joue bien, ça coulisse. Allez, ouais, ça se voit, je suis pas en mode compétiteur. Contrôle. Oh, il a volé. Oh, dommage. Aubert. Qu'est-ce qu'il a fait? Y'a pas moi là? Cherche une solution là. Cherche la faille de la défense adverse. Ok, ça joue bien le tiki-taka. Oh là là, mais quel jeu, les refs! Quel jeu! Du coup, tu gardes la mise pour le prochain ou t'en refais une? Je sais pas si je suis en mode, vraiment en mode compétiteur ou pas, mais je pense qu'on va la laisser. Hein. On va la laisser pour le prochain match. Pas pour ce match-là. Prochain match, je mets le mode compétiteur. La Ligue des Champions reprend ce soir. T'as vu ça? Il a fait un.
Une bonne première période, je trouve. Et Pemain là, du bon PSG. Ça va bien se passer. Un bon match, un match correct. Il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos. Cela dit, je pense qu'il en a un. Faut tout faire 2-2. Stop, j'ai pas compris, je crois. Après, va sur Insta. Je t'ai écrit un truc. Mais écris ici, mon gars. Je me vois pas quitter. Je suis sur Twitch là. Pourquoi quitter Twitch pour aller sur Insta pour un message? J'ai un son pour les buts. T'inquiète, je vais trouver. Moi, il me faut un son pour. Un son des Ultras là. Où ça dit Unity. La seconde période qui redémarre. Les Black Cats qui mènent. Sinon, venez, on se capte, on chante. Venez, on se donne rendez-vous, je sais pas, dans un endroit là. On chante tous ensemble. Ça peut être très bizarre si des gens nous croisent. T'imagines? Tu vas dans la forêt, tu vois un groupe de 60 personnes en train de chanter des chants ultra. Je suis un peu loin. Robert. Frappe. La vie de ma mère. Golasso le tonton. Tonton Vasseur. En plus, lui, je veux le vendre, lui. Il est trop nul, lui. Incroyable, ça rentre. Incroyable. Incroyable. Vasseur. Vasseur le passeur. Je vais l'appeler comme ça, maintenant. Bon, Bastia, c'est claqué aussi, hein. Bon jaillissement sur cette passe. On est peut-être nul, mais... Ah. Oh là là, incroyable. Oh là là, incroyable, ça joue bien. Oh, ça se démarque. Ah. Ils ont pas compris. C'est quoi le nouveau que j'ai à côté de mon blaze? Ah, c'est parce qu'en fait, t'as voté sur le premier choix, ça veut dire. Et les gens qui ont deux, c'est-à-dire ils ont voté pour le deuxième choix. T'es pas en mode champion, c'est pas possible. Là, on est en mode ultime, là. On est en mode ultime, on a pas mis le mode compétiteur. On va le mettre après ce live. Mais sinon là c'est le... A la base c'est censé être le niveau le plus compliqué de FIFA là. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Bien repoussé par la défense. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Mais... Ah ouais, faux numéro 7 lui. Oh le tag l'assassin. Il lance un West Peaky. Ça va quoi? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Voilà, monsieur. Ça s'est donné comme Jack. Contrôle, frappe. Fou. Le danger, mais ça, joue. Ça allait rentrer, frérot. Sortir, oh, bah ça, il souffre, hein. Lloyd Palin. Anthony Rubic. Oh, il lui a mis une passe. Vas-y. Ouais, changement de possession. Piqué. Wesh. Wesh, c'était un piqué ça les gars. Oh, je sais pas, il a comment de finition lui, mais le piqué c'était pas vraiment un piqué hein. Tu as remplacé qui en Ligue 2? J'ai remplacé On a enlevé New York je crois. New York 2 étoiles pour mettre une équipe à 0,5 étoiles. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Oui, le tonton. Lui, je sais que je pourrais compter sur lui de la tête. Il ne peut certes pas marquer à chaque voilà. fois. Voilà. Il devrait encore marquer quelques buts supplémentaires s'il continue de dominer de cette manière. Exactement. Pour intercepter cette passe. Exactement, ça va vite. Oui, dans la course. Et goal! Incroyable! Incroyable! Il a dit allez Bastia, oui monsieur, d'accord. D'accord le ref. Qui amène ce but. Ensuite, c'est une situation de 2 contre 1 parfaitement négocié. Oh le numéro 6 il a que de la vitesse. Maintenant de 4 buts à 1. Le reste là, il a aucun contrôle de ballon. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Christophe Vincent. Anthony Rubic essaye de trouver la faille. Voilà, monsieur. Subtiliser le ballon. Eh, mais ils sont même ultra offensifs, hein, Bastia. Je sens que ça va marquer encore là. Justifié, ton équipe a dominé. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je passe de 34K à 10K. Mais de toute façon, la prédit, elle sera pas validée si on n'est pas en mode compétiteur. Donc, prie. Prie, mon gars. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Oh la D. C'est vrai ça que je suis coach. Je dois faire des changements moi maintenant. Ça va m'occuper de ça. Allez, on va changer tout le monde. Tout le monde est content. Tu vas relive aujourd'hui, ouais, à 20h sur ma chaîne YouTube. Junior TV Gaming. Christophe Vincent. Voilà. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Oh là, des dommages. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Excellent ça. Excellent ça, ça joue bien. Excellent. Excellent. Thomas. La passe en retrait. Putain, ce qu'ils sont nuls. Oh là 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 là, Jésus comme tu dis. Jésus-Christ. Putain, j'ai fait une PES là. En fait, ce qui est chaud apparemment dans le mode carrière, c'est la gestion de la fatigue aussi là. Parce que là on se rend pas compte, mais le prochain match ils seront tous fatigués. Ouais, ballon perdu dans sa propre moitié, attention. Un danger qui se précise peut-être. La tentative. Et c'est terminé. Victoire à domicile aujourd'hui. Victoire pour ce premier match à domicile. Et les supporters, ça va, ils ont acheté le maillot tout ça, hein. Incroyable, wesh. Ils sont investis pour le nouveau club là, ça fait plaisir. Match de bout en bout, très grosse satisfaction pour lui, en plus il y a la victoire au bout. Et ce qui est bien aussi dans le manager, c'est qu'il y a les interviews normalement. Interview d'après match, truc comme ça là. Après, je sais pas s'ils ont enlevé, mais bon. Est-ce qu'il y aura des interviews là? Ah non. Ok. Ah, il y a une offre pour Mio. Déjà, Mio, c'est mon. Wesh, 500 000! À réfléchir. Oh les gars, on me propose 500 000 balles pour le défenseur. Bah après, le problème c'est que c'est le meilleur joueur de mon équipe. Regardez, je vais vous montrer c'est qui. Eh, on va se faire du bif, hein. C'est lui là. 64 de gêne. Est-ce que je vends le meilleur joueur? Je pense que c'est une très mauvaise idée. Non, on va le garder. Négocie plus. Non, en vrai, non, moi je me vois pas le vendre. Attends, il a quel âge? C'est pas dans l'ADN du club de vendre les meilleurs joueurs pour le bif. On n'est pas comme ça, nous. On veut créer vraiment une prison dès le début. On n'est pas l'Olympique Lyonnais, tu vois ce que je veux dire? Former les joueurs pour les autres. Je voulais faire quoi là? Voir si on était en mode ultime déjà. Histoire de voir si on va encaisser l'argent de Joshua ou pas. Ultime? Ah ouais, on était en mode challenge, mon pote. Mode challenge activé. Je suis choqué. Bah désolé, Joshua. C'est ballot. Merci Joshua pour le bif. Mais ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça en fait, hein. Mode ultime, mode challenge activé. Bizarre. Bah écoutez, victoire, hein. Ceci est une victoire. Après bon, on a gagné Bastien. C'est pas comme ça on a gagné le PSG. Mais ça va, hein.
continue comme ça. Putain, mes joueurs là, du coup, ils sont pas assez reposés. Tu t'es fait 10k à Nisco? Eh, moi, je me suis fait combien? T'as misé combien à Nisco? Pour te faire 10k là. Moi, je me suis fait que 7k, frère. Ok, prochain match, les gars. Prochain match, est-ce qu'il y aura 5 buts dans le match? Ou moins? Je laisse 2 minutes pour voter. Let's go, les refs. Par contre, ah ouais! Par contre, vous avez vu mes joueurs comment ils sont fatigués? Là, c'est trop. C'est trop. On a eu que 2 jours de repos. Après, si on perd ce match, c'est pas grave. C'est les matchs amicaux. Le plus important, c'est de gérer la fatigue là. Gérer les blessures. Un vrai coach, les gars, cette année, on est. Capitaine, on va mettre le goal. Et c'est parti. Les gars, est-ce qu'il y aura plus de 5 buts marqués dans ce match? Ah, bizarrement, ça vote pas trop là. Ça mise pas trop là. Merci d'être fidèle au poste pour ce match. J'espère que vous êtes bien. Moi, je sais pas. Ça va être sympa, je pense. Je vais mettre. Ce sera bon, Hervé Matou. Je vais mettre 2000. J'ai mis 2000 sur quelque chose. Si je dis sur quoi, vous allez tous vouloir me copier. De la phase de groupe. On sent l'ambiance qui monte petit à petit. Ça devrait être sympa aujourd'hui. C'est le deuxième match de poule dans cette saison. Des équipes qui vont tenter de s'imposer. Putain, je vais me faire fumer. Oh, c'est dangereux. J'ai mis l'équipe 2 là. On voit. Dommage. Ce ballon qui est perdu. Non, en vrai, je sais pas s'il y aura plus de 5 buts. Ça risque d'être un match mouvementé en tout cas. Ou pas. Là pour intercepter ce ballon. Ok. Oh là là, hey, je sens qu'on va se faire foudroyer dans ce match. Hein. Allez, il faut centrer. Mais genre, ils sont fatigués du premier match là. Le centre à destination de ses partenaires. Ah ouais, d'accord. Le but, oh, quelle est belle. Quelle reprise. Ça commence. Akrari, ok, ça veut nous humilier. On voit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Y'a pas de soucis, tout se paye. Ici, c'est Unity FC, chacal. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Voilà, c'est fermé, on joue bien, on joue intelligemment. Tac. Faut que je fasse des tactiques perso après là. Pourquoi on perd, pourquoi on gagne. Putain, y'a pas de solution. Ah non, le ballon est perdu. Putain, c'est. C'est compliqué là. Oh là 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 là. Ça part bien, action dangereuse. Je commence à ressentir le mode compétiteur là. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Le bon ballon en profondeur. Complètement raté cette passe. Attention. Oui monsieur, il est bon le petit là, Marie, je sais pas quoi là. T'es en Ligue 2? Ouais, je suis en Ligue 2. Pour ceux qui se demandent. Mathieu. Attends, tu as 5 changements, le ref. Ah ouais, je vais faire ça. Hein. Deuxième mi-temps, je vais faire que ça. Rappelez-moi, les gars, à la 40e minute de faire des changements. De préparer mes changements, là. Sinon, je vais oublier. Là, dans cette carrière, les gars, vous êtes les assistants. Vous êtes les entraîneurs adjoints. Mathieu. Ouais, il est bien placé pour centrer. Attention à la frappe. Oh! Du bon jeu! Du bon jeu, les gars! C'est toi, t'as choisi en Ligue 2? Ouais, c'est moi! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, le coach, il est vénère, hein. Le coach, il est vénère, là. Avec un bon crâne, ce coach. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est un petit peu
défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. C'est le petit que j'ai signé là, son déformation là. Oh là 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 là. Incroyable, attends. Nous ça va être ça notre musique nous. Ça va être du bon logo B nous, à chaque but. Oh la pilule. Attendez, est-ce que vous entendez la musique? Ah non, on n'entend pas. Vous, attendez, vous entendez de la musique là? Ah non. Ouais, c'est bizarre, elle joue la musique. Attendez. Et voilà donc à égalité. J'ai dû l'enlever sans faire exprès. Interception. À la base, c'était du logo B. Oh les gars, le but qu'il a mis, gros. Occasion de prendre l'avantage. Centre de formation, les petits, hein. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Putain. Penalty. Oh là 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 là. Diaby. C'était très limite, hein. L'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Excellent, ça, ça joue bien. Voilà, ça coulisse. Mathieu. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Cherche le centre. Hors jeu. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Oh la frappe qu'il a mis le petit portugais là. Je sais plus si c'est un portugais. Non, c'est un mec de Côte d'Ivoire là. C'est un ivoirien. Diaby. Peut-être une bonne opportunité. Oh là là, il m'a effacé. Voilà. Oh lui, il est chaud, hein. De base, il est remplaçant. C'est un défenseur remplaçant, mais... Il joue bien le petit. Bon, mi-temps, je fais 5 changements. Mathieu. Putain. Ouais, le tacle. En vrai, avec des joueurs comme. Dommage, avec Simons, je peux pas l'avoir en prêt. Avec des joueurs comme Simons, tout ça, on peut faire un truc. Vas-y, mon ref. Oh, ça peut tout changer. Oh. Oh là 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 là, le petit technicien. Oh, la technique, comme elle était de tense. Je me voyais genre crochet frappe. Il a fait ça en mode de temps, wesh. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période. Essaye Gavi en prêt, mais c'est impossible. Vraiment, toi et Joshua, vous me donnez que des bons joueurs, frère. Il ne faut pas accepter. Bien vu, Sei Luffy. Gavi en prêt, vous pensez ça accepte? C'est pas comme sur FM. Ah, sérieux? Ah, genre, ils sont souples ici. Genre, c'est pas trop réaliste, quoi. Tu peux avoir des... Par exemple, là, je peux avoir, je sais pas. Un joueur à 70 en prêt, normal. Il accepte de venir jouer en Ligue 2, quoi. Au pire, je mets le goal en joueur, hein. J'étais en train de reposer les latéraux là. Ah merde! J'ai plus de changement. Ah ok, je peux remplacer un joueur de champ par un gardien. Bon, on va rester comme ça. Hein. Ouais, j'ai essayé de sortir les latéraux, mais là tout le monde est fatigué là sur le banc aussi. Ces deux équipes après les 45 premières très équilibrées. Mathieu. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement.
Voilà. Oh, le tacle et le ballon qui défend personne finalement. Voilà, ça va vite. La passe en retrait. Heureusement qu'il était là. Putain. Tout ce qui est PES, tout ça, ça passera pas, hein, avec cette équipe-là. Si c'est. Diaby. Oh là là. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Ouf. Il y avait ce ballon qui était dangereux. Merci. Allez, on y va. Ouah, À ce dommage. ballon qui est bien récupéré. Je vois, il m'a dit, prends-toi 4 buts, s'il te plaît. Ah, mec. T'as mis la mauvaise mise pour l'instant, mon ref. Ils reprennent possession du ballon. Les Black Cats qui se font de plus en plus pressants. Oh, vas-y. Putain. La frappe Ah, qui des passe à dommages. côté sans trop de problème, il fallait avoir l'œil. Sinon, ça dit quoi, les gars, dans Premier tour, le live, là? c'est Dans le chat? Très silencieux, là. Vous êtes tous Lorsqu'on concentrés sur le décide de match. faire un changement. Aujourd'hui, il m'arrive quoi? Je perds toutes mes prédits. J'ai mis 1 pour 5 buts. Ah, t'as voté 1. Après, il me dit, s'il te plaît. Je crois pas, on essaie de marquer quand même. On essaye, on essaye. Si c'est. C'est pas facile. Ils vont pouvoir jouer la Je vois, touche. tu portes l'œil. Les bâtards, ils ont dit Mister Girl. Comme Mister Girl. Aimes-tu cette fille? Elle se la bute au Bien prédit, sûr. mais elle a 1000. Les passes qui Mais c'est quoi s'enchaînent. ces vieux centres? Trouver l'ouverture. À chaque fois, je joue comme Ziz, ils se défendent alors Ils que. ont un joueur de l'équipe adverse. Ils sont éclatés. Ouais, très très beau geste défensif. Oh, j'imagine pas les coups francs. Putain, je vais en mettre 0. J'ai 151K. Bravo, Joshua. Nisco, pardon. Si c'est. 151. Pour ça, quand t'as perdu 100 000 d'un coup? Alors que nous entrons maintenant Tu dans m'as les buté, 21 frère. minutes de cette partie. Attention, ça peut être dangereux. Oh là là. Bonne occasion avec ce ballon. Oh là là. L'inspiration sur Oh, ce le goal, ballon. incroyable. Incroyable, incroyable cette Quel action. goal. Arrêté tranquillement dans les buts. Il y avait franchement moyen de mieux faire. Alors, Ah ce ballon ouais. n'est pas à destination. Bon là, il commence à jouer offensif, on va devoir le calmer. Si c'est. La voie est libre. Ouais, il a le temps de centrer. Allez là. Oh, il est passé. Donne en retrait. Allez, faut pas la rater celle-là, ça c'est bien. Ils font du tiki-taka avec moi. Voilà. Corner qui est d'une importance capitale. Pour vous, il y a peut-être le but de la victoire. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Là. Corner. T'es parti. Il T'es parti, reste mon quelques garçon. minutes à jouer dans cette Putain. partie. On est dans le money time, hein, le match se joue maintenant. Bon, les gars, on a un but de la victoire. Allez, mon garçon. Allez, mon garçon. Oui. Oui, mon garçon. Oui, mon garçon. Galette. Oh là 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 là, incroyable. Yo Junior, yo mon gars, ça va ou quoi? L'équipe qui n'avait rien à Moi perdre j'ai 3K, bravo mon ref. maintenant. Ils sont fatigués, hein? La défense là. Ils ont lâché. Ils ont lâché à la fin. Hâte d'affronter des grosses équipes Un petit but d'avance donc, le en Coupe score de est de France là. 2-1. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire.
Les gars, sachez que j'ai 0,5 étoiles, hein, mon équipe. Hein. Oh putain. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Comment je l'ai fauché, je voulais rien savoir. C'est lui là qui a une offre de 500 000. En vrai, 500 000, c'est, j'avoue, c'est discutable. Au pire, je peux le vendre 500 000 et acheter un joueur gratuit à la place. Qui a son niveau à lui. Mais il faut déjà qu'il arrive, histoire que je sois sûr, tu vois, de pouvoir le remplacer. Le remplaçant qui se prépare à rentrer. Ça serait tellement un bon business de faire ça. J'attends que les joueurs libres, ils acceptent. Enfin, j'attends déjà qu'ils soient observés. Et voilà la victoire, mesdames et messieurs, la victoire. On temporise. Quoi? Ouf, j'ai eu peur. Quoi? Non. 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 Oh la D. Je voulais gagner du temps, faire passe à 10. T'es mort, wesh, le défenseur s'aime pas contrôler un ballon. Belle abnégation, récompensée. Putain, j'ai pris confiance avec le mode compétiteur. Ouais, mais t'es mal, goal, comme il a abusé aussi. Voilà, vrai coach, il motive les joueurs. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah du coup il n'y a pas eu 5 buts les gars, il y a eu moins de 5 buts. Caris. Ça donne quoi la Prigi là? On avait un bon joueur, sérieux. J'ai 423 000 les refs. Bonne performance de sa part, son équipe qui a fait jeu égal avec son adversaire. 423 000 points de chaîne. À l'image de son équipe, hein, avec un... Joshua il a tout perdu. Vas-y Joshua. Voilà c'est le troisième match du groupe. Putain on aurait gagné là, on serait déjà qualifié. Là on va jouer contre Swindon je sais pas quoi. Attends est-ce que mes recruteurs ils ont observé les joueurs libres? Ça c'est des mecs observés à l'arrache. Ça, j'ai pas envie, ça. Ça, on supprime. Voilà, repérage en cours, repérage en cours, repérage en cours. Ok. Comment je vois si mes joueurs, enfin, si mes recruteurs, ils ont observé les joueurs libres que je leur ai dit? Comment on fait? Je fais ça, peut-être que je peux les observer directement là. Peut-être qu'ils ont... Ah ok. Ah, 2 jours restants. Ok, dans 2 jours il a fini. Enfin, dans 2 jours il aura un diagnostic quoi. Savoir ils ont comme un gène. Faut que personne les achète pendant 2 jours quoi. Simulation de l'entraînement. Par contre, vu comment on est fatigué, je sais pas si c'est bien de s'entraîner là. Ah, c'est bon, il a un rapport. Enfin. Ah, c'est bien ça. 69 de général, 68 et 69. Ok, il me faut les 3. Il me faut les 3 gratuitement. Oh là là, si les 3 ils arrivent dans mon club, frère, je suis refait. Par contre, lui, il y a. Il y a Atlanta United qui est intéressé par lui. Ça peut être très compliqué. C'est parti les gars, on passe en mode business. On passe en mode... On passe en mode négociation là. Putain je suis perdu, c'est vous déjà? Ah voilà c'est là. Attends quoi? Comment ça 1 million? Normalement c'est gratuit hein. Ok ok les gars c'est parti. Eh je kiffe les cinématiques. Alors viens dans mon bureau. Bonjour à tous les deux. Donc là il y a le joueur et il y a son agent.
Ok, on va parler business, les refs. On va parler Bibi, vous et moi. Attendez 2 secondes, on m'appelle au téléphone, les gars. Alors, je dis quoi de lui, ça va être un joueur important? Moi, je vais dire que ça va être un joueur important. Tu vois, un poste de sélectionneur. Moi, je suis pas intéressé par être sélectionneur pour l'instant. Mais quoi, ils m'ont fait une offre? Ah, eux, ils veulent qu'il soit un joueur crucial, pas de souci, crucial. Alors, la durée du contrat. Il a 31 ans, les gars. Qu'est-ce qu'on met? Un joueur qui a 31 ans. 2 ans, hein? 2, 3 ans, 3 ans? 3 ans, il aura 34 ans. C'est ce que nous espérons. Ok, nickel. Nickel, nickel, ils ont accepté. Ah, tu m'as dit 4 ans, toi? Clause. Ouais, pas besoin de mettre de clause, hein. Qui va péter la clause libératoire? Prime à la signature. Ah, là, on va commencer à parler Kishta, là. Moi, je propose 100 000, histoire qu'il se trouve un appart. Attends, déjà, lui, il veut 8 000 de salaire, déjà. 8 000 de salaire. On va faire les rats, on va donner 8 000 piles. 8 400, on te donne 8 400. Prime à la signature, 100 000. C'est bon ou pas, 100 000? T'es pas obligé? Ah, je suis pas obligé? 50 000, 60 000 à la signature. C'est beaucoup 100K pour lui, sérieux? Moi je négocie vraiment en mode football manager, hein, c'est pour ça. Mais là elle a accepté, les gars. Hé, hey, les gars, c'est le meilleur joueur de l'équipe qui vient de signer, les refs. 69 de général. Oh là 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 là. Ok, suivant. Lui aussi, s'il signe, c'est le meilleur de l'équipe. Façon, comment tu peux être plus nul que... N'oublie pas, t'as pas d'argent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Là, je vais essayer de pas lui proposer de prime, là, pour voir. Alors, bonjour, les gars. 9 000 de salaire. Crucial, hein. Joueur crucial, ça a accepté. Lui il veut signer pour 2 ans. Moi aussi, nickel, parce que dans 2 ans tu vas arrêter de progresser, mon pote. Accepté. Pas de clause. Je sens qu'on va se mettre bien dans cette carrière-là. Il veut 9 000. On lui donne 9 000 et on oublie la prime. Ah ouais, c'est dur le premier là, j'ai perdu de l'argent là. J'aurais pas dû. Putain, je me suis fait carotte sa mère. Oh, je me suis fait baiser. Il y a Gavi et Amad Diallo. C'est qui déjà Amad Diallo? C'est pas un mec qui court vite là? Ça me dit un truc. Vas-y, je vais observer Gavi, voir ce qu'il vaut là. Budget de salaire, il n'y a que 2K. J'ai que 2K en budget de salaire. Ah, mais parce que j'ai pas enlevé le budget de transfert. Je vais enlever le budget de transfert, je vais me mettre dans les salaires. Ouais, mais Dylan, ça s'appelle de la triche, mon pote. Tu t'es mis 1 milliard dès le début. C'est pas ce qui nous intéresse, nous. Non, on veut commencer bas. On veut voir comment on se fait de l'argent, tu vois. On veut pas déjà avoir de l'argent. Gavi, trop cher. Non, mais pour un prêt. J'ai zéro en budget de salaire, je suis mort.
Ah, t'as vendu tous les joueurs, ok. Bravo, mon ref. Il a 29 ans, en vrai, il peut signer pour 4 ans. Mais j'avoue, une fois qu'on sera en Ligue 1, frère, j'aurais pas besoin de lui, hein. Ah, lui, il veut 2 ans, lui? Vas-y, carré. Carré, mon ref. 2 ans. Gavi, trop cher, ils vont pas accepter. C'est le signe, il me dit que c'est possible. Prêt à voir, hein. Pour mettre tous les jeunes du centre de formation. Attends, il veut 24 000 de primes de signature, lui? Bah, c'est accepté, hein. Enfin, j'ai un goal. Les gars, j'ai un goal, un milieu gauche et un arrière droit. En une journée. Et gratuit. Incroyable. Enfin, gratuit, c'est une façon de parler. Sans payer un club, quoi. Sans payer une institut. Alors, comment ça se passe? Voilà. Vasseur, ça dégage. Ensuite, lui là, au goal. Magnifique. Et à qui d'autre? Il y a Fiona. Incroyable. Là, je suis monté à une étoile. Je pense. Ceux qu'on voit des étoiles sur 5 là. De mon équipe. Genre, j'ai combien d'étoiles, genre? On peut pas savoir. Peut-être dans accueil d'équipe, non? Je sais pas. Il a dit pas gratuit. Ouais, mais t'as capté quoi? T'as capté, mon ref. Donc en pot? Bah non. Il a dit copeau d'équipe. Copeau d'équipe, pas du tout, hein, tu vois pas le nombre d'étoiles. Genre est-ce qu'on a 4 étoiles, 5 étoiles? Bon, c'est pas grave. On a une bonne équipe, quoi. Ok, tous ces joueurs-là éclatés là, ça va vendre, hein. Ça va dégager tout ça, ça va faire le ménage. Sinon, je vais payer des salaires pour rien. Le goal est à dépouiller. Ouais, mais après, je suis obligé. Ça va être rentable plus tard. Millions la valeur du club. Bon, c'est parti, les refs. Les attentes du CA, c'est ça, hein, si tu demandes. Attends, vendre deux joueurs et recruter deux joueurs en rotation pour... Ah, ok! 5 victoires en coupe. Ah, c'est ça qui fait ma note d'entrée. Ah, c'est la note de confiance. Je pensais que c'était la note de... que ça, c'était la note du coach. Genre, j'ai combien de général en tant que coach? Je pensais que c'était ça. Éviter de finir mal classé. Moi, j'ai des joueurs qui ont des salaires à 500 euros. Ça va, toi, niveau coût, t'es bien, toi. Tu payes pratiquement rien. Il y avait quelqu'un qui était intéressant, là. Lui, il était pas intéressant, lui? Il a peut-être de la vitesse, tout ça. Hein. On va l'observer. Lui aussi. C'est toujours mieux qu'un milieu à 55 de gêne. C'est un club français? Exactement. On a fait un club français qui remplace Niort, du coup.
Là, on va jouer contre Swindon Town. Ok? À votre avis, je mets la même prédit que le match d'avant, même pas, je mets 4. Est-ce qu'il y aura 4 buts minimum dans le prochain match? À vous de voter. Je vais refaire des changements. Non, c'est bon, hein, l'équipe 1 elle est de retour là. Ok. J'arrive tout de suite là, je vais aller voir ce que font mes chiens vite fait. Ils sont déjà en train d'aboyer là. Et je reviens dans 1 minute 30. Votez, votez les refs. J'ai le démo, ils ont creusé des trous dans mon jardin, wesh. Vos grandes têtes. Bon. Du coup. Ah ouais, il joue avec 5 défenseurs, putain. Moi j'ai misé 4 buts dans le match, moi. J'ai misé 4 buts dans le match, mais j'avais pas vu la formation. Ils vont jouer la défense, les bâtards. Salut à tous. J'espère que je vais réussir à mettre 4 buts, hein. Let's go. Salut, salut Tommy! Eh, c'est parti les gars! Deuxième match au Unity Stadium. En vrai, pour l'instant, on a un vainqueur. Vous l'entendez, il y a grande foule ce soir dans les tribunes. On avance dans ce tournoi d'avant-saison. On retrouve aujourd'hui deux équipes pour leur troisième match. Pour les gens qui viennent d'arriver, sachez qu'on vient de créer le club Unity FC. On avance dans la mise en place de leur identité de jeu. Et que on a fait que deux matchs pour l'instant. Bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. On a commencé avec un budget de 1 million. Et nous sommes en Ligue 2. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Il y a donc dans cette équipe un joueur qui va faire ses premiers pas aujourd'hui. On est assez. Ah, là, c'est le premier pas des nouveaux joueurs là. En tout cas, il a des qualités vraiment. Ils ont le ballon, hein. Ça circule bien, ça fait. Allez, l'occasion de passer devant. Oh le bâtard! Voilà. Le football. Robert. Thomas. Thomas, le capitaine. Après, on va peut-être changer de capitaine bientôt. Hein. Parce que là, il y a des joueurs qui sont meilleurs que Thomas, hein. Plus expérimenté. On va
Va-t-il parvenir à centrer? Vas-y. Attention au tir. Aïe aïe aïe. Eh, il court vite lui. T'as mis 10 cas sur 4 buts dans le match, Nisco. T'inquiète, on va gagner, on va se mettre bien. On va se mettre bien, toi et moi. Salut, salut les gars, bien quoi? Pourquoi Unity FC? Unity, c'est le nom de ma marque. Et FC parce que FC, hein. On cherche la brèche en faisant tourner. Non. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Unity parce que, tu vois, on est ensemble. En gros, Unity, ça veut dire, tu vois, on est ensemble. On est vraiment tous ensemble. On est une seule personne. C'est ça que ça veut dire, Unity. Pour reprendre ce centre. Mauvaise relance. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Putain, ils sont très très lents. Ça n'ira pas plus loin sur cette action. Match très timide hein, pour l'instant. En même temps, ils ont 5 défenseurs. Attends, si j'avais, j'aurais pas misé 4 buts. 5 défenseurs vs 1 attaquant. Mais bon, il suffit d'un but pour débloquer le match là. Oh les bâtards. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Voilà. Voilà quoi? 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 Il y a penalty là. Mais on est où? Ah ouais, j'avoue. Putain, oh la dé. Ah ouais, vrai invest hein. Putain le bâtard. On est d'accord, il n'y a rien du tout. Voilà, monsieur. Quel goal. On roulait comme ça, on l'a arrêté. Oh là 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 là. Gauche. Ah ouais, j'ai vu ça après. Bravo les refs. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Oh le gamin. Attention, le temps de prendre l'avantage. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Allez, oui monsieur. La victoire, on espère. Histoire de se qualifier au deuxième tour, c'est important. Parce que là en fait, mine de rien, les gars, c'est une compétition importante hein. On a un club qui a pas d'argent. Et là, il y a du bif à se faire dans cette compétition là. Au moins 800 000 je crois de primes, il me semble. Putain. Merci gardien. Quel goal. Salut. Happy year. Ça va quoi? Il y aura pas les 4 buts. Eh ouais mon gars. Il y aura peut-être pas les 4 buts. Il y aura sûrement pas les 4 buts même. Oh. Ok. Restez concentrés les refs. Ça va bien se passer. Voilà, on calme le jeu. Faut qu'on conserve la balle. Putain, oh putain, mais c'est quoi ces joueurs, frère? Oh là 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 là, injouable. Wesh! Merci. On va se faire fumer. Ok. Ok, monsieur. Voilà. Reviens avec lui, voilà. T'es par jeu. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage hein, pour le joueur qui filait. Merci aux gens qui s'abonnent aussi des bons. Jayu 972, bien ou quoi? Bienvenue dans la team. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Et ce ballon qui est récupéré. Comment je l'ai agressé? Et finalement, cette perte de balle. Attends, juré, on a fait une mi-temps sans faire de tir? Putain, et le mode compétition en fait, c'est vraiment. C'est compliqué hein. Derrière, il continue d'avancer. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. C'est dur. À l'instant sur ce score de 1-0. Après, il faut faire tourner aussi. Faut que je fasse les tours là. Qui est chaud pour rentrer?
Salut, je vais mettre là. Même si c'est un BU. DC53. Je vais mettre quand même. Le début de la seconde période avec Allez, on va jouer intelligemment. Pour l'instant. Voilà. On joue avec Thomas, voilà, allez. On va revenir dans le match, les gars. Ça circule bien. Varga. D'étirer ce bloc. Ouais, la frappe. Wouh ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Oh là 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 là, quel but ! Quel but tendu ! Oh, la frappe, elle était tendue, hein ! Thomas, tac, contrôle, pan ! Oh, on est chez nous, frère. On est chez nous, ici. Voilà. Le nouveau défenseur. Qui prend ses responsabilités. Par contre, j'ai pas encore mis leur numéro de maillot, là. Excellent, ça. Excellent, ça. Ah ouais, Chartier, frère, quelle technique. Il est éclaté. Oh. Pouf. Thomas. Thomas, les refs. Unity FC Forever. Eh oui, monsieur. Le 26, c'est mon meilleur joueur. C'est qui le numéro 26? Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Ah, celui qui joue à gauche, là. J'avoue, je crois, on va commencer à jouer à gauche. On va jouer avec lui, là. Allez, on se replie un peu. On sait jamais. Non. Merde. Eh, le goal, il est nul, hein. J'ai remarqué, hein. Pourquoi il a plongé comme ça, wesh? Théma. Regardez le goal, là. Regardez le goal. C'est n'importe quoi, frère. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. On est là, on bosse pour faire des remontadas. T'es mal, le résultat. Et ce ballon qui est bien récupéré. La rumeur a laissé place à l'information officielle. Fabregas a été confirmé à signer au Deportivo Alavés. Vas-y, mon gars. C'est sûr que c'est pas un débutant. Oh là là. Le club acheteur a été sensible, je pense, à tout ce qu'il peut apporter en termes d'expérience. Toi, t'as Donnarumma, toi? Mais attends, t'entraînes qui, le PSG? Voilà, ouais, Thomas. Le ballon est perdu. Je fais quelques petits changements. On va reposer quelques joueurs là. Même si c'est pas le bon poste. Ah, c'est qui? Il change de côté, voilà. Le football. Et là on y va, et là on pique dans l'axe. Voilà. Une phase de possession en attendant la faille. Robert, Thomas. Putain, Thomas, il a une frappe. Gagne, s'il te plaît. Mais écoute, mon gars, on essaye. On essaie d'apporter la victoire au Unity FC là. Allez, les gars, Bamos, bien joué. Varga au corner. Et goal! Vamos, le but de Mio!
peut-être son dernier but au club. Hein. T'as recruté personne. Si, si, j'ai recruté 3 joueurs. 3 joueurs libres. Mais en vrai, on les a eu les 4 buts dans le match là. Personne n'a célébré. Vous avez tous voté autre ou quoi? On a 5 là carrément. Première mi-temps 1-0, deuxième mi-temps ça se la fout. Putain, j'ai vu l'assassiner. Il faut qu'il centre là. Heureusement, ils sont nuls. T'as fait une nouvelle carrière. Exactement, là vous êtes dans une nouvelle carrière là. Ça manquait vraiment de finesse. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Thomas. Voilà. Allez, il peut faire un truc intéressant là. Il y a du soutien. C'est. Putain, dommage. En ce moment. Williams. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. C'est dans le paquet. Ils ont décidé de poser le jeu. Ouf, j'ai chaud. Le bon moment pour tenter une percée. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Vous allez voir à la fin des matchs comment le mode compétiteur s'est cheaté. Ils font tout pour égaliser. Ça a été un match spectaculaire. Déjà, regardez la carte. Jusqu'à présent, le mode pressing activé. Allez, faut qu'il tienne encore 5 minutes. 5 minutes avec ce petit. Pressing constant activé déjà. Allez, sans doute la dernière opportunité. Il ne faut pas la rater. Voilà. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Varga, le meilleur joueur de l'équipe. Là, s'il lance la contre-attaque. Il y a pas grand monde là. Et go! Il a failli louper. Il a failli louper. Incroyable. Et merci, victoire 4-2. On dirait des bouts qu'on pourrait croiser dans la vraie vie. Et la feuille loupée, ce fou. Avance de 2 buts au tableau d'affichage. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncés. Putain. Il continue là d'avancer. Ouais, il a le temps de centrer. Oui, oh là là, penalty à la dernière minute. De toute façon, même s'il marque, on s'en fout. Et les jeux, ils sont bien faits, hein, tu vois, vraiment les détails, tout ça. Incroyable. C'est ton club? Ouais, j'ai créé mon club. Dommage. Dommage, dommage, 4-3. Passe à 10. Et c'est terminé, les gars. Qualifié. Qualifié au prochain tour. Force de persévérance a donc remporté la décision. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir ce match basculer. Oublié ce mec-là, ils ont une... ouais, obligé, je pense, ils ont deux tafs. Ça pas tous bien payé dans mon équipe. Hein. À part les nouveaux là. Et les gars, j'avais que 37% de possession, putain. Prochain tour, que va-t-il se passer? Attends, quoi? Ah, il a retiré l'offre. En vrai, tant mieux, je comptais pas le vendre maintenant. Allez. Les gars, regardez, 700 000 de bénéfices. C'est grâce à quoi, ça? Ah, marchandises, carrément. On vend autant de maillots? Mais c'est cheaté, les marchandises, dans le jeu. On n'est même pas connus. On a vendu 2400 maillots, les refs. Ah, mais c'est grâce au nouveau, là. Fiona et Varga. Ah, ils vendent, hein. En vrai, ils sont bénéfiques, je les ai eu à, tu vois, pas cher.
Ils vendent des maillots. Putain, ça doit être incroyable d'avoir des CR7, tout ça là. Tous les maillots qu'ils peuvent vendre. Que d'autres comme bénéf, vente de maillots tout seul, 150 000. Incroyable. Ah, le jeu il est poussé, c'est lourd, hein. On met tout dans le budget des salaires. C'était quoi l'offre que j'avais déjà? On m'a dit que j'avais une offre de d'équipe nationale. Ah non, ok. L'autre m'a carrément dit recrute Paqueta. Je crois vraiment que c'est faisable. Alors. Il est toujours en train de chercher des joueurs pour un centre de formation. Est-ce qu'on recrute un deuxième recruteur? Même pas, hein. On a plus d'argent. Ouais, ben non, j'ai pas de budget de transfert. En vrai, c'est mieux comme ça, on va rester comme ça. Le plus important ici, c'est. C'est prendre des joueurs pour l'équipe 1 en balle. Pourquoi il met des joueurs sur ma liste mais il les observe pas? Observez-les, wesh. Yo Junior, wesh Clément, bien quoi? Bienvenue dans le live, monsieur Clément. Accueil transfert, il y a quoi déjà? Ok. En vrai, il me faut encore des joueurs libres, hein. Est-ce que je prends lui en AD de remplacement? Si je prends lui, ça veut dire le petit 17 ans là, il va devoir se barrer. Moi, merci beaucoup, tranquille, toi, moi, ça va à l'aise, mon ref. Je serais même dans le jeu, il y a le club de ma ville, FC Rouen. Ah, t'habites à Rouen? C'est comment Rouen? Et c'est où Rouen en vrai? Où se situe cette ville? Quand même demander aussi, lui aussi. Comme ça, si j'ai un décès gratuit, ben, je vends les décès que j'ai là. Oh là là, on est le 14 juillet, on va fêter ça là. Une ville perdue, il a dit. Oh les bâtards, ça veut vanner ta ville. Bon, Thomas, il va se reposer, Mio, il va se reposer. Les gars, on va jouer contre Victoria Berlin. Je mets une prédit, à votre avis. Est-ce que mon équipe. Non, même pas. Je mets quoi comme prédiction, les gars? Qu'est-ce qu'on met comme prédit? Est-ce qu'il y aura 3 buts avant la mi-temps? Vous avez une minute pour voter. Est-ce que dans le match, il y aura 3 buts avant la mi-temps? Let's go. À vos votes. C'est parti. Pour un bon petit match. Salut à toutes et à tous. À domicile ou à Vous l'extérieur? voyez, Ah, bah c'est pas chez moi. une très bonne nouvelle. Il fait beau. Les conditions de jeu sont parfaites. On devrait se régaler. C'est carré la tour. Vous avez gagné des matchs de Ligue 2. On n'a même pas commencé les matchs de Ligue 2. On est encore en préparation là. On prend notre temps. On n'est pas pressé, mon pote. L'ambiance qui monte dans le stade. On fait un La mercato clean. pression qui monte. Il n'y a plus que 4 équipes en course hein, dans ce Ouais, je dégage bien quoi. saison. Ça a pris 10 forts, bah écoute. Cette demi-finale est à prendre Pour au l'instant, vite fait, hein. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Merci. Se dégager Oh là sur là, le travail qu'il a fait. l'axe. Attention. Aïe 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 aïe. Quelle action! Quelle action!
Quelle action, bordel! Oh! Frappe de Martino. Vas-y! Putain, Thomas. Il est vénère, le coach. Il est vénère avec son bon crâne là. Combien de points? Je suis passé de 400, de 404 000 à 424 000. Tout se passe bien. Oh là là, attention. Ce sera donc une sortie de but. Alors que c'est sûr maintenant, hein, la formation a été officielle. Fekir au PSG. Nabil Fekir a signé au Paris Saint-Germain en provenance du Bayern. Il vaut 10 fois le club. Il a 10 fois la valeur du club, Fekir. Putain. C'est jamais évident. C'est dur. Imaginez les gars, on met Gennaro dans ce club là. Ce qui va donner une âme à ce club. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Bientôt fini Gennaro, hein. On va arrêter de me casser la tête avec ça là. Bientôt on va me casser la tête avec Rico. C'est quand Rico? Alors que c'est tous les soirs 20h, tu sais. Il faut quand même me dire c'est quand Rico? Est-ce que tu fais Rico ce soir? Vous me tuez. Oh là là, attention! Bravo gardien. Bien jailli sur cette passe en profondeur. Voilà monsieur. Mais personne pour reprendre ce ballon. On est en train de remonter le terrain. Enroule. La frappe. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué les 3 buts en voilà mi-temps. Ça va être là j'aurais marqué. Je te redis Belek, pourquoi pas. Putain, c'était pas lent. Cherche le point de pénalty. Wouh. Et l'arrêt est magnifique, magnifique arrêt sur cette tête qui ne demandait dommage. En fait, mode ultime compétiteur, c'est pas ouf, hein. Mais je pense que, je vais vraiment le sentir quand ce sera des équipes PSG, tout ça, tu vois. Là, j'affronte des équipes, frère, elles sont claquées. Conserve le ballon. Ils espèrent trouver. T'es par jeu, toi. Possibilité de mener une attaque. Oh, le centre. Ego, c'est contré, mais ça rentre. Je peux t'envoyer ma compo Insta, vas-y si tu veux. Hein. Cette frappe limpide qui rentre. Oh! Merci aux défenseurs. Il veut dire que le banc de touche est furieux. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il la joue un petit peu comme au Rwanda. Oh là là, attention. En attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Voilà. Ah, ils perdent ce ballon. Et oh là 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 là, pas loin du deuxième but. On était pas loin du deuxième but, les refs. Belek aux 3 buts. J'y crois moyen. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. On va pouvoir centrer. Ok. Cherche la faille dans la défense adverse. Oh les bâtards!
C'est dur. En fait, ouais, en fait, c'est ça, en fait, le mode compétitif, c'est les attaques. Les attaques, ça va souvent au fond, ça. Mais dans le jeu, ou quand toi t'attaques, c'est pas archi dur. T'as quoi, les attaques, frère? Trop cheaté. De ce ballon. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Attention. Wouh! Les gardiens qui repoussent le On a ballon eu en jeu. chaud. Bien joué, le corps en opposition. Ah, le tir. Frappe contrée. Ils sont vénères, hein! C'est mieux le mode La fin compétitif, du ouais, temps, c'est plus réaliste. Au moins, on arrête de foudroyer toutes les équipes là. La réponse était moins, les refs, et oui! Là, c'est des matchs à élimination directe. C'est dégagé Donc, juste du coup, avant je la vous ai fin. mis une mise là sur la fin du match. À votre avis, on gagne ou on perd? On est en demi-finale. On va sortir Thomas. On va faire rentrer Marie en défense. On va mettre lui en ponte. Ils ont tous misé victoire. Merci. Misez tous victoire, moi je vais miser défaite, je vais me faire du bif. J'ai mis 10 sur défaite. Voilà, c'est reparti. Comme ça, si je perds. Si je perds, je suis content. Si je gagne, je suis content. Aubert. Allez, les gars. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Oh là 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 là. Lui, c'est le joueur qu'on a eu là, gratuitement. Trop fort. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Les joueurs ont compris le temps de bien faire bouger la défense. Chercher le Contrôle, contact, frappe! trouver la brèche. Et la conclusion Magnifique, et oui, monsieur. constante, une distance imparable. Magique. Varga, il va nous faire du bien Et cette saison en Ligue 2. désormais 2 buts à 1. Yamada. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Voilà. Le ballon change de camp. Il Merde. a bien senti le coup, c'est intercepté. Ça peut coûter cher cette erreur. Putain, le crochet qu'il m'a mis. Wesh! J'ai juré en mode compétiteur là, ils mettent des crochets. Avec beaucoup de sang-froid. Tu pars loin. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Yamada. Il faut qu'il centre là. Ouais, c'est parti le goal. On cherche des solutions là. Putain, c'est compliqué, hein. Voilà, Varga, contrôle. Avec la Il fixe. attention. Il frappe. Oh, le ballon. Goal! Oui, monsieur! Oui, messieurs! Le club sur la bonne voie, les gars. Le club est sur la bonne voie, les refs. Première intervention. Mais la défense qui ne suit
Merci gardien. En plus j'ai tiré sans vouloir marquer, hein. Je savais que ça pouvait être dangereux. Qui repousse le ballon. Oh le bâtard. Et par contre je vais le faucher lui, je suis trop le fou. Voilà. Et Varga qui reprend de la vitesse. Putain, il aurait dû passer. Dommage. Ça sent la victoire les refs. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. La défense qui est pas très en place, hein, me semble-t-il. Ça a été comment j'ai eu chaud, je me suis donné. Mais l'action était magnifique. Je me suis donné. Ok, Marie. Qui pose le ballon, Reino. Marie. Aubert. Oh les blasts, frère. Oh, t'es tout seul. Ouah, mais le bon char qu'il lui a envoyé. Wesh. Vivement qu'on ait des bons joueurs en passe là. Et on appelle deux balles aussi. Ils ont décidé de oh là là, d'attendre le bon moment pour tenter une... Quoi, hein, l'arbitre qui siffle une faute, bien sûr. Y'a faute là. Et qui risque même de sortir. Mais attendez, hein, venez, on regarde la VAR là, y'a rien du tout là, hein. Les gars, où la faute? Sérieusement. Regardez. C'est lui qui m'agresse, regardez, moi je suis là, je suis par terre. Coup de genou, frère, dans la tête. Coup de genou dans le visage. Il me fait un tacle à la gorge, frère. Pour moi, c'est lui qui se prend un carton, wesh. Quand même. Abusé, oui, voilà. On peut dire que c'est abusé, quand même. Merci, monsieur. Et la défense toute heureuse de voir ce ballon passer à côté. En tout cas, le début de la création du club, ça se passe très bien. On va en finale là. Finale de la coupe de prépa. Je pensais tout perdre au début. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Fou, crochet, frappe pied gauche. Oh là 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 là. Dommage. Il a dit chochotte, faut toujours simuler mon pote. Toujours simuler tout ce que tu peux. Il est bien parti ce corner. Premier sur ce corner. Voilà monsieur. Voilà. Oh dommage. Merci. Il a récupéré le ballon dans la zone de vérité. Ah ouais. Faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. J'y retourne à force, hein. Force pour les cours. Grave pour ensemble sur ce coup-là, mon ref. T'es tout seul, mon ref. Et goal à sol. Je crois qu'on peut valider la prédit, hein. Victoire. Victoire logique, la victoria. But. Bon, ensuite c'est le talent, hein, qui fait le reste. C'est quand même son excellent placement. Après il va rester un match avant la coupe. Ça fait donc 4-1. Et on va jouer 2 minutes. Ouais, oh, y'a rien. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Y'a rien, monsieur l'arbitre. Tu nous connais. On est des bons gars, nous. C'est un petit peu laissé emporter. Y'avait rien du tout là. Je suis choqué. Et c'est terminé. Victoire. L'équipe locale est donc qualifiée pour la finale. Même pas, putain, je dois bouger en vrai.
Les gars, je dois grave bouger. Je dois sortir mes chiens, sortir des vidéos. Mais sinon, le concept là qu'on a fait aujourd'hui là, on va grave continuer demain à la même heure, même plus tôt. Qui sera là? Levez la main, gens qui seront là. Vas-y, Junior. Vas-y, mon gars, Nisco.